Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien et j'espère que les fêtes s'annoncent très très bien de votre côté. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous trois signes qui montrent que nous sommes orgueilleux mais que parfois nous ignorons. Avant de commencer, si tu ne l'as pas encore fait, surtout abonne-toi, laisse un commentaire, lâche un pouce bleu, partage cette vidéo à la fin si tu as aimé, mais surtout ne passe pas sans t'abonner. Trois signes qui montrent que nous sommes orgueilleux mais que parfois nous ignorons. Il est possible d'être orgueilleux et de l'ignorer. Parce que la vérité est que tout le monde se considère humble. Okay? Tout le monde se dit humble. Mais que nous soyons docteurs, pasteurs, bouddhistes, savants, sages, je ne sais pas trop quoi, nous avons tous une part d'orgueil en nous. Okay? Donc aujourd'hui, j'aimerais partager ces trois signes. Il y en a plusieurs, mais je vais partager trois. Et vous allez me dire le reste des signes qui montrent que nous sommes orgueilleux dans les commentaires. Donc, premièrement, quand vous vous dites trop humble, okay, quand vous avez l'habitude de dire aux gens « moi je suis humble, moi je suis humble », ça ne fait pas de vous une personne humble. Au contraire, ça fait de vous une personne orgueilleuse. Parce qu'une personne humble n'a pas besoin de dire aux gens qu'il est humble. Il va laisser les gens voir ça en lui. Okay? Une personne qui a des bonnes qualités n'a pas besoin de dire aux gens qu'il a des bonnes qualités. Il va laisser les gens découvrir ses bonnes qualités en lui. Remarquez que la plupart des personnes qui vont vous parler du bien d'eux-mêmes, une fois que vous vous mettez en relation avec eux, vous voyez le contraire de tout ce qu'ils vous ont dit. Il y a des gens qui vont vous décrire l'amour. L'amour pardonne tout, l'amour accepte tout, l'amour fait ceci, l'amour fait cela. Mais une fois que vous vous mettez en relation avec eux, vous ne voyez aucune vertu de l'amour. Ce sont les mêmes personnes qui ont du mal à vous pardonner, ce sont les mêmes personnes qui ont du mal à accepter certaines choses qui ne peuvent pas changer en vous. Mais ce sont ces personnes qui vont vous dire qu'ils sont humbles, qu'ils sont comme ci, qu'ils sont comme ça. Vous n'avez pas besoin de dire aux gens que vous êtes humble. Laissez les gens voir en vous que vous êtes humble. Okay? Deuxième chose, quand vous avez du mal à demander pardon, quand vous avez du mal à dire que vous êtes désolé. Beaucoup de personnes croient qu'en disant je suis désolé ou en demandant pardon, ils pensent que c'est un signe de faiblesse. Ça n'a rien à y voir avec un signe de faiblesse. Aujourd'hui, je voudrais juste vous annoncer. Si vous êtes plein ou pleine, si vous demandez pardon, ça ne va rien enlever en vous. Ça ne va même pas vous enlever un gramme. Ça ne va même pas vous enlever un kilo. Donc, s'il vous plaît, apprenez à dire « je suis désolé ». Quand vous dites que vous êtes désolé, ce n'est pas un signe de faiblesse. Okay? C'est juste que ça va vous apporter la paix en fait. Parce que si vous sentez l'envie de dire que vous êtes désolé et que vous ne le faites pas, vous n'aurez pas la paix. Je vous assure que vous n'aurez pas la paix. À chaque fois que vous allez voir la personne que vous avez offensée, ça va vous faire un pincement. Ou bien quand vous avez du mal à pardonner, ça fait de vous une personne orgueilleuse. Et à chaque fois que vous allez voir la personne qui vous a blessé, vous allez avoir un pincement. Vous n'aurez pas la paix en fait. Parce que la personne qui vous a blessé veut vous demander pardon, mais vous avez du mal à accepter ses excuses. Ou bien vous êtes en problème avec votre petit ami, mais vous attendez toujours que ce soit lui ou elle qui vous envoie le premier message. C'est un signe d'orgueil. Okay? Parfois, quand vous savez que c'est vous qui avez eu tort, mais vous voulez quand même que la personne puisse s'excuser de quelque chose qu'il n'a pas fait, c'est un signe d'orgueil. Okay? Nous devons changer ça. Troisièmement, quand nous pensons être plus supérieurs que les autres. Quand vous pensez être plus que les autres, supérieur que les autres. En fait, vous ne pouvez rien apprendre des autres. Ça fait de vous une personne orgueilleuse. Bah oui, ça n'a rien à y voir avec la confiance en soi. Beaucoup de personnes confondent la confiance en soi à l'orgueil. La confiance en soi, c'est de connaître ses capacités. C'est de savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. C'est pas parce que vous avez une grande confiance en vous que vous pouvez tout faire. Ok? Mais l'orgueil, c'est se croire supérieur aux autres. En fait, tu marches avec tes copines et tu te crois la plus belle. Attention, tu peux être la plus belle le niveau visage, mais un sale comportement. Tu marches avec tes amis, tu te crois le plus beau. Attention, tu peux être le plus beau physiquement, mais le plus impoli. Donc, se croire au-dessus des autres est un signe d'orgueil. Et beaucoup de personnes aiment dire, par exemple, « Non, moi je suis pas orgueilleux, moi je suis rancunier. » Mais je ne crois pas que la rancune n'est pas loin de l'orgueil. C'est pas vraiment loin de l'orgueil. Okay? Donc, si tu es déjà rancunier,
c'est que tu es orgueilleux. Donc, voilà ces trois signes que je voulais partager avec vous. Premièrement, se dire trop humble. Troisièmement, avoir du mal à pardonner ou avoir du mal à accepter les excuses des autres. Troisièmement, se croire au-dessus des autres, se croire mieux que les autres. Ok, donc si tu as aimé cette vidéo, s'il te plaît, partage-la, laisse un commentaire, lâche un pouce bleu. Dis-moi aussi quels sont ces signes qui peuvent faire de nous des personnes orgueilleuses afin que nous tous nous puissions changer. Ça se passe dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo.